Le pâtissier. Sûrement l'un des pires rôles après simple villageois ou mineur. Ce côté, selon certaines personnes, cela va être prouvé dans cette vidéo. Avant toute chose, pour les personnes n'ayant pas idée à quoi ressemble ce rôle est simple. Réunir tous les ingrédients nécessaires pour crafter un gâteau. Comme récompense, si je peux dire, un effet au choix. Résistance ou force. L'effet choisi est permanent durant la game. Ok, mais en fait j'ai déjà... Oh, ça me dit pas pendant combien de temps et ça c'est chiant. Étant donné que c'est un meet-up, j'ai donc eu le kit assez rapidement pour le craft. Ce qui m'a paru plus ou moins étonnant parce que lorsque j'avais déjà fait un meet-up, j'avais pas directement eu le sucre. Mais bref. Pourquoi d'ailleurs je suis en meet-up pour ceux qui se posent la question? Pour la simple bonne raison que cette game a été réalisée en stream et lorsque j'utilise Mumble plus OBS, mon jeu saccade comme pas possible et je saurais pas vraiment comment décrire cela. Je vous en parlerai en fin de vidéo, mais pour l'instant c'est pas le sujet le plus important. J'ai donc également choisi Force. Dans tous les cas, ça n'a pas été un effet ultra compliqué à avoir à partir du moment où j'ai eu le kit directement en étant en meet-up. Je savais pas trop quoi choisir entre les deux, mais sur un coup de tête, j'ai choisi Force. Parce que c'est là où intervient le pouvoir du pâtissier. Même si je suis en équipe avec le village, j'ai quand même force la nuit et le jour. Et cela pendant l'entièreté de la game. Mais sans vous en dire plus, mon choix n'a pas été si bête. Loin de là. Arrête. Arrête. Comme t'es sale merde. Aïe. Et moi j'étais pour rester avec toi. Ça serait bien de créer les rôles, enfin créer les... groupes. Oh les pédales. Ouais, c'est bien des groupes comme ça ensuite. Comme ça ensuite, non, bah, je fais vous êtes 3 dans non, à la base j'avais un mauvais rôle, mais quand j'ai dit que quand j'ai vu mon avantage, je me suis dit bah en fait ça va pas être trop chiant. C'est pas, ton but c'est clairement tuer des gens. Attends. Non, pas, non, pas du tout. Ton but c'est pas de faire des gâteaux. Après, j'ai pas de réponse, sinon je me dévore. Ah merde, pourquoi t'as du pain, mec? Oh, je sais pas, mec. Monte la pioche. Monte ta pioche, Timus aussi, pour voir. Ma pioche? Ah, je vais très bien, ma pioche. Ok, ça, bah bon, moi, l'entrée. <bien. rire> Je sais plus ce que je demandais. En paix fait. Avec ta cousine, tu n'as pas de vie. Allez, c'est parti. Go faire des gros. Je viens avec vous parce que j'ai pas de vie. Bah, viens. Il va mourir, hein. Lui il va mourir, on va lui arriver des bricoles. Non, laissez-le. Chut. Qu'est-ce ça, bah bon, moi, l'entrée. <merde. rire> Bon. La game n'ayant pas l'air intéressante parce que oui, si on prend en compte le free punch et le dévot, dans tout ça, j'ai pu comprendre directement le rôle de quelqu'un. Mais maintenant que la sorcière est morte, la décision est vite choisie. Ce qui est bien pour moi, parce que c'est pour le moment la seule personne à qui je peux faire entièrement confiance. J'ai accessoirement aussi pu montrer le fait que je suis safe au village, mais ça c'est qu'un détail. Quelqu'un veut un gâteau? Ah, ouais, non. Il est beau, hein. Il est beau, mon gâteau, il est beau. Hein. Tenez, je partage. Yes. Mais du coup, en fait, non, j'ai tout bouffé, désolé. Mais non, il a vraiment mis pâtissier, mais c'est pâtissier, c'est trop pété. Mais en meet-up, ouais. Mais c'est trop pété. Bah, ça dépend, si les sœurs elles sont au village, c'est pété. Si... Non, mais c'est trop pété. Non, qu'est-ce qu'a mangé le gâteau? Il y a trop de c'est moi, non, c'est moi. J'ai gardé dans mais ma du poche, coup, t'as pris quoi? Moi? T'as pris 2 ou 1? Bah. Tout à l'heure quand j'ai sorti pâtissier musclé, c'est pour rien. Ah ok, ouais. Trop pété. En fait je suis un assassin finalement, c'est plus pété que l'assassin. Mais oui, c'est un assassin infecté quoi. Les gars, venez, on va chercher pour voir s'il n'y a pas des LG ou il y a des gens qui se fight. Oh putain, je joue. Le Cupidon est mort. Ah bah le... Quoi? D'accord. C'était Vivio ce moment. Ah mais attends. Et du coup là, le village il... C'est cool. Venez, vous voulez pas faire un tour sinon? Comme ça on voit. Ouais, comme ça on bute, oui. Vas-y, viens. Pourquoi j'arrive pas à différencier la nuit du jour? Parce que tu as un mode sky, un sky mode. Laisse-le ton pack. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas venir dessus. Ok. Oh, t'as un connard, ça, je me fais du coup. Hugo. Hop. Toujours en attends, t'es en train de me dire que le couple a tué son Cupidon parce qu'il croyait qu'il voulait te tuer toi? Mais oui, en gros ils ont confondu deux pseudos et du coup ils ont tué leur Cupidon au lieu de tuer moi. Mais moi pour moi c'est un bizarre.
Mais ouais. Attends, y'a un gros problème. Attends, y'a un problème. Tu dois pas émettre. Y'a un problème. Hein? T'as pas besoin d'émettre. Mais pourquoi? Parce que j'étais sympa avec toi, frère. Ah, merci, mec, t'es trop sympa en fait. C'est faux, t'as pas une dégâts, j'ai moins 4 coeurs. Moins 4 coeurs? Ah! Ouais, j'ai moins 4 coeurs. Non, j'ai rigolé quand j'ai moins 6 coeurs. Ah! C'est un malade, gros. En fait, il y avait Proyem, on lui met des flèches. Et genre, pour rigoler, on disait on le fume IAG. Et en fait, ce con, bah, je sais pas, genre, t'as toujours des mecs comme ça. Et il a foncé dessus en mode, genre, on était sérieux, tu vois. Du coup, c'était cramé, il était méchant. Parce que sinon, parce qu'il a sauté sur l'occasion, tu vois. Du coup, je l'ai fumé et il était loup amnésique. Oh non! C'est ça, fallait pas être bête. Tout IAG, donc bon. Les gars, à force de tripler des gens, j'ai tilt que Gaspard était loup-garou. Il m'a tapé de nuit, il m'a mis deux cœurs par coup. La Gaspard, en fait, juste la Gaspard. Non, ça peut-être pas, peut-être pas. Un Gaspard, il est juste tapé avec. N'est-ce pas? Pourquoi t'es un loup-garou? Pourquoi t'es un loup-garou, Gaspard? Et puis quoi encore? Gaspard, t'as un avis sur ton rôle si tu veux que je te sauve? Gaspard, il est vachement loup-garou. Gaspard, je peux te sauver? Je suis gentil. Ok, bon bah, du coup, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? C'était vraiment un très mauvais jeu d'acteur, ça, Gaspard. Ouais. J'ai un rôle à info. Qu'est-ce que tu fais? T'as un rôle à info, ah ouais. Mais vous faites quoi là? Ah bah, du coup, t'es voyante. T'as pas un seul truc qui pourrait te défendre? Karma Iki? Quoi? Karma Iki? Hugo. Proyem, Karma Hugo. Et moi? Oui. Très bizarre que t'as flairé trois mecs qui sont encore en vie, quoi. Bah, apparemment, il y en a aucun, apparemment. Vas-y, bah, viens là, on va faire la course, Gaspard. Attends, bah, cours juste tout droit sans sauter. Non, mais genre pas en boucle comme ça. Monte ton poulet, frérot. Mon poulet? C'est la dévoi, ça, je connais. Bah, vas-y, bah, gros, c'était safe, il y a un moment. Ouais. Parce qu'on dirait pas que t'as speed, quoi. Bah, ouais. Dans tous les cas, t'es déjà dévoi, quoi. Trop chiant, tout droit, prends tout le poulet, toujours plus simple. Gaspard. Bon bah Gaspard, t'es clairement Hugo, Gaspard, Il est clairement le G. J'ai bien fait un loup-garou blanc dans cette faille en fait. Par contre, du coup, Gaspard il est LG. Du coup, il reste combien de méchants? Il reste deux. Mais vu le nombre de méchants qui restent, même si c'était le LGB, je l'aurais pas tué en fait. Vous êtes complètement débile. Il reste deux méchants. Et j'ai. Mais Diablo il est loup-garou. Diablo et Gaspard, c'est les deux derniers. Voilà. Mais dévot pas, mais oh là là. Et Gaspard il est mort? Non, Gaspard on l'a. En fait, il nous a. Ah, mais il a live! Il a déco. Oh, vas-y. Ouais, il a arraché. En fait, c'était... parce que il a fini par dévoi en mode j'étais le renard. Attendez, bah go zéro, tiens. Ah bah, Gaspard, frérot, il déco, mais on savait qu'il était LG, donc je le fume, hein, clairement. Non, mais les gars, en fait, j'ai dévoi tous les loups-garous de la game, mais ça me fume. Après, on ose me dire que je suis loup-garou. j'ai vraiment tué un loup amnésique. Enfin, un loup amnésique, mais c'était plutôt. Gros, c'est moi qui ai fumé le loup amnésique. Comment ça, c'est lui qui m'a demandé. J'avais pour le coup oublié de préciser que dans cette partie, les sœurs ne sont pas du village, mais elles sont en solo, pour le coup, un peu comme le couple. Sauf que là, si l'une des deux meurt, la deuxième reste en vie. Et c'est là où ça va être un petit peu compliqué. Parce que dans tous les cas, si on tue les deux loups-garous restants, qui ont été dévots, hein, il y aura encore cette histoire de sœurs, mais... Hugo, c'est lui qui m'a sauté. C'est lui qui m'a sauté. Il m'aurait pas sauté si j'avais tué loup-garous. Il a fumé le couple en entier, c'est bon. D'accord, ok. Je m'en fous. J'étais en mode, wow, c'est quoi ça? C'est grâce à moi et grâce à toi. J'ai tué le loup-garou blanc, solo. Naïs, pourquoi t'es pâtissier? Quoi? Bah, le mec vient de dire non, il est pas pâtissier, ça veut dire qu'il est clairement. Il a dit qu'il était pâtissier? Ouais, il a dit. Mais gros mytho de merde. Mais c'est toi le pâtissier? Mais oui! C'est Proyème. Ah, y'a un problème quand même, parce que. Tu m'as l'air sacrément pas le pâtissier quand même. Mais j'ai un verre de loup-garou blanc, je l'ai tué. Bah ouais, le loup-garou blanc, ouais, mais il est pas trop avec toi le loup-garou blanc à la base. Le gros blanc il a vraiment 5 coeurs en plus, c'est pour ça que je le tue, parce que j'ai force. Bah oui, la nuit. Non mais vraiment je suis pâtissier. Non t'es pas pâtissier mec. Si. Non trop pas. Je suis trop lagué. Pourquoi
crois que c'est toi, Timus. Bah, je sais pas. Ok, ok, il doit être sœur alors, je pense. Non. Mais pourquoi tu me tues? Bah, t'es pas pâtissier, gros. Mais je troll, mais. Bah, t'es quoi alors? Mais, vous réfléchissez. Bah mec Et vous savez quoi, j'ai le sub slash LG roll, c'est obvious. J'ai 1v1 blue corrupt. Non, en fait c'est parce que je pensais que c'était Non mais un jour les mecs, j'ai 1v1 bah, loup-garou. Bah totalement blanc. Moi aussi c'est marrant ça. J'ai 1v1 loup-garou blanc sans peur. J'étais en 3v1 contre des loup-garous, j'ai réussi à survivre et en tuer un genre. Ok, il est ancien ce bâtard. Et j'ai vraiment survécu en plus hein. Et il m'a j'ai pas, j'ai encore ma deuxième vie. Et vous savez que j'ai bu un soda là au tout début parce que je me suis dit allez on va tester. Et du coup bah j'ai plus de résine. Ok. Les gars, je pense que Nace c'est la sœur parce qu'il était parti avec le couple avec le Cupi et donc ils étaient en groupe de 4 et il y avait la sœur dans le couple en fait et il serait pas parti avec eux comme ça, genre sans info, tu vois. Tu peux arrêter s'il te plaît? Je sais que t'es loup-garou, mec, c'est toi. Viens, Timus, on va sauter Nace. Mais il me saoule ton mate là. Vas-y, premier, m'arrête, après on va te fumer. Bon. Depuis le début des games, je troll, c'était con. Ah, ça je sais. C'est lui qui m'a sauté. Il m'aurait pas sauté si j'avais été loup-garou. Il a fumé le coup plein d'un petit. Wesh, du coup, Nice, t'es sœur, et du coup, on va te tuer vu que les sœurs c'est solo. Frérot, tu veux pas me laisser un V1 s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai, les sœurs. Ouais. Non, gros, beau, désolé. Non, gros, s'il te plaît, au moins un V1, gros. J'ai frérot, rien fait de la il est ancien, il est ancien, on a tous résisti ici, t'as perdu. T'es pas fou, du tout. Désolé, Nice, je suis désolé, mais y'a pas le choix. Je méritais une mort plus heureuse. Ça t'a trahi d'avoir tué le couple, t'aurais pas dû le dire. Mais attends, il me fume vraiment en fait. Il me fume vraiment. Je troll. Mais arrête de troll, gros, c'est t'as comme ça que. Force, ou... Bah, du coup, j'ai les deux. La force. Ok, parfait. Comment ça fait les deux? Comment ça fait les deux? Ah, je sais pas. On est une... Ah, ok, oui, si, j'ai compris. Les gars, oh, il y a le dernier loup là. Qui veut le 1v1? Moi, Diablo, t'es moi. Moi, je veux. Non, Hugo, c'est moi qui veux 1v1. Non, c'est moi d'abord. C'est moi. Ouais! J'ai fait toute la game. J'ai fait un kill, les gars! C'est cool! Y'a Diablo qui s'est mort! Ouais! J'en ai fait 0, t'inquiète! Et voilà donc comment s'est conclue cette game. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Cette game a été pour le coup loin d'être ultra stratégique, etc. Parce que si on prend en compte le free punch, le dévot des specs et puis même bah, le dévot de base, et aussi le fait que ce soit un meet-up. Bref, pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, je vous avais donc parlé des bugs que j'avais lorsque j'avais Mumble et OBS d'ouvert. C'est pour ça que jusqu'ici je faisais des meet-up et non des LG 1h. Il est possible que par exemple j'ai des bugs de clavier et du coup mon clavier se mette à soit ne plus me répondre, ou alors il appuie sur une touche que je n'ai pas demandé, donc par exemple il avance tout seul, ou alors tout simplement il sature et je ne peux plus rien faire. Ou encore par exemple il veut aussi des bugs de sensibilité, ça m'arrive encore. Mais bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'aura pris un petit peu de temps à faire, mais voilà, c'est tout. Bref, bonne continuation, joyeux mois de décembre, en attendant Noël, j'espère que vous allez bien. Ouais, si vous voulez, je suis en stream régulièrement le soir entre 21h et 4h du matin. Ça m'arrive même de faire du montage là-bas, donc si vous voulez voir ce que je fais, bah venez. Twitch.tv/timuslive et puis voilà. Et puis voilà la bise.